Salut à toutes et à tous, c'est fini, j'espère que vous allez bien les amis, moi ça va super bien. Aujourd'hui nouvelle vidéo PVP les gars. C'est vrai que beaucoup me demandent de faire des vidéos PVP mais j'en fais pas forcément. Après je sais qu'elles plaisent moins que les autres vidéos mais je vais essayer d'en faire un peu plus pour faire plaisir à certains. Parce qu'en live on me dit beaucoup, monte ta team PVP, présente-nous une bonne team PVP etc. Donc je vais vous présenter ma team les gars. Donc si ce genre de vidéo vous plaît au niveau du PVP, etc. et que je vous présente des teams ou que je fasse des tests, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un petit pouce bleu ou un petit commentaire les gars. Donc voilà, donc là c'est ma team PVP à moi, c'est mes choix personnels même si beaucoup jouent comme je joue. Et moi je joue beaucoup comme les autres jouent aussi, donc ça marche dans les deux sens. C'est pas moi qui ai inventé quoi que ce soit sur ce jeu. Donc je vais vous montrer comment je les joue, principalement mes personnages, comment ils sont équipés. Et voilà, je vais vous détailler un peu ce que j'ai fait avec cette équipe qui est pour moi maintenant sur le jeu la meilleure équipe en Bref Battle. Voilà, Blue Pachi, Yamamoto, Unohana, qui est pour moi la meilleure équipe en Bref Battle. Après, moi, il me manque beaucoup de Kara Link, notamment en vert. Voilà, j'ai pas Koga TT ni le Ulquiorra White Day. Donc pour moi Yamamoto il bénéficie que de la Rukia peluche malheureusement. Donc bien optimisé cette team, je pense que c'est la meilleure. Voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une série de 52 wins, même si c'est en troisième lieutenant. J'ai sélectionné aucune cible. Voilà, j'ai pris que des Unohana 1500 ou moins. Et j'en ai perdu aucune sur 52 Bref Battle. Et même celle que j'ai perdue, c'était, comment dire, c'était de la chance. Voilà, j'étais en 3, en 3v1 contre une Unohana. Elle a pris l'aspect, elle a one shot ma Unohana et mon Yamamoto. Et elle s'est farci mon Blue Pachi. Donc voilà, même avec ça, vous voyez que quand vous perdez, c'est vraiment quand que vous n'avez pas de chance. Donc, on va commencer par la petite Unohana les amis. Donc ma petite Unohana est pour moi très très bien équipée. Voilà, donc déjà un très très bon perso en PVP. J'espère vraiment que vous avez eu la chance de l'avoir. C'est un perso qui est sorti en janvier, un perso manga, donc Unohana Benkai. Je pense que j'ai pas besoin de vous la présenter parce que ça a été le cauchemar au niveau des invocations pour beaucoup, dont moi. Donc je la joue Chappie attaque plus 20, Aori attaque plus 20 et Papyrus attaque plus 30. Je pourrais la jouer avec un Chappie endurance plus 40, mais j'ai vraiment besoin qu'elle ait une meilleure puissance de frappe, puisqu'elle a un gros DPS. Et c'est vrai que 20% d'attaque sur 766, bah, ça fait quand même un bon petit 150, 150 d'attaque, donc c'est quand même pas négligeable. J'ai un Kara Link 10, un Kara Link 5, voilà, j'ai pas eu le temps de faire le deuxième 10. J'ai le Ryuken dégâts subis moins 20. Voilà, tant convoité les gars pour la Unohana. Tant convoité. J'ai le Grimmjow dégâts subis moins 20 aussi avec le Isshin dégâts subis moins 16. Donc voilà, très très bon équipement. Voilà, il me manque juste le deuxième Kara Link 10 et je pense que j'ai une très très grosse Unohana. La seule chose qui me manque c'est le gold de Chappie juste ici et je pense qu'on est au top. Enfin le gold de Chappie juste là, pardon. Donc ça, c'était la partie Unohana. Attends, je vous ai pas montré ses stats, excusez-moi. Donc voilà, on a quand même plus 1322 de vie, 1200, enfin 1283 d'attaque et 208 de défense. Donc vous voyez quand même que les Kara Link jouent quand même. On passe quand même de 1024 d'endurance à 1322 et de 1073 à 1283. Donc voilà les points fixes. Voilà, vous voyez plus 298 d'endurance et plus 210 d'attaque. Donc vous voyez quand même que c'est très très bien de monter ces Kara Link les gars. Et c'est très important de ne pas les négliger et de farmer comme un ouf. Donc on a ça. Parti pour mon Blue Pachi. Donc mon Blue Pachi, j'ai que un Kara Link 5. Malheureusement, voilà, j'ai pas. C'est di très difficile pour moi de farmer les popos bleus parce qu'en fait c'est. Moi je peux farmer principalement que le week-end, donc c'est de vendredi 16h à samedi 16h. Mais malheureusement moi je finis déjà vendredi dans les coups de minuit 1h du matin. Donc je suis assez fatigué, donc je me lève le lendemain, il est dans les coups de 11h midi. Il me reste à peine 4h pour farmer. Surtout que je peux pas le faire en semaine, donc c'est assez délicat. Donc je peux farmer principalement les popos orange et les popos vertes pour l'instant. Mais je vais essayer de farmer ça. Donc j'ai la Machiro. Donc voilà, imaginez la Neliel et Machiro dessus. Il bénéficiera de meilleurs stats clairement. Donc je le joue avec Machiro, la Neliel et le Nunchaka. Avec un Aoi capitaine attaque plus 30.
un Chapi doré attaque plus 30 et un endurance plus 40% sur le Chapi 5. Donc voilà, même si j'ai pas tous mes caraniques montés, j'ai quand même un très très bon équipement, notamment le gold de Chapi bleu qui me procure de très très gros stats. Donc c'est ça, on va dire, qui pallie le fait que j'ai pas trop de caraniques montés. Mais voilà, avec un caraniques 10 au moins sur la Machiro et un 5 sur la Nelliel, je pense que ce serait déjà beaucoup mieux. Donc vous voyez quand même qu'il a plus 1594 d'endurance et plus 1000 et plus 912 d'attaque avec de la défense, de la concentration. Donc voilà, moi je trouve que c'est très important d'avoir de la concentration sur le Kenpachi, c'est-à-dire les coups critiques. C'est ce qui vous permet de faire la différence sur un Blue Pachi qui n'a pas de gold de Chapi et qui joue en Papyrus. Voilà tout. Donc voilà pour le Blue Pachi. On passe maintenant à mon petit coup de cœur, le petit Yamamancho. Donc pour le Yamamoto, j'ai pas un équipement de ouf. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas réellement vraiment le jeu, ces trois personnages-là possèdent la capacité équilibre et la capacité flurry. Donc l'attaque normale déchaînée, c'est ce qui leur procure une puissance de frappe assez extraordinaire. Et l'équilibre qui fait que personne ne puisse les déranger pendant leur combo font qu'ils ont une puissance mais hallucinante. Donc le Yamamoto, voilà, tueur de capitaine, voilà une très très bonne affinité, un peu comme la Unohana, tueur de capitaine, et le Blue Pachi, tueur d'Espada. Mais le Blue Pachi, il est principalement là pour buffer. Donc, dégâts subis moins 16 aussi. Voilà, que des dégâts subis. Je le joue double moins 20 et 1 moins 16. Voilà, j'ai pas de Karaling 10 sur Yamamoto. Parce que c'est très très relou de farmer les popos. Donc, reconstituant physique, attaque plus 30. Attaque plus 30 sur la Houri de Capitaine. Et endurance plus 40% sur le Chapi. Donc, si je joue reconstituant physique, c'est pour deux choses. C'est qu'en fait j'ai un Papyrus vert, je crois, attaque plus 30. Mais le reconstituant physique me donne certes, je perds certes 20% d'attaque et 20% d'endurance. Ce qui est quand même, ça peut faire la différence. Mais je bénéficie de mes coups critiques. Donc pour les Blue Patty, je peux en tuer plus vite. Après, les 20% d'attaque sont aussi très bien. Mais c'est surtout avec le heal de la Unohana qui remonte la vie de mon Yamamoto. Mais vraiment beaucoup, limite la moitié de la vie de mon. Enfin, 40% de la vie de mon Yamamoto sont restaurés quand la Unohana fait son heal. Donc, c'est cauchemardesque un peu. Donc, je pense que c'est mieux de se faire heal 40% que d'avoir 20% d'attaque et perdre ses coups critiques, etc. Après, c'est mon choix. Je pense qu'il sera bien meilleur quand. Si un jour je taperai à la rigueur un gold de Papyrus vert. Ou un gold de Chapi vert, ou je monte le Karaling 10 sur la Rukia, je pense que ce sera déjà un petit peu mieux. Mais je m'en sors très bien comme ça. Voilà, je peux faire facilement le maintien en vice-capitaine. Facilement, c'est juste qu'avec mon taf, des fois, je peux pas faire des brefs battles et j'en rate beaucoup. Et en troisième le temps, c'est un petit peu plus facile. Donc là, comme je vous ai dit, le but aussi en bref battle, les amis, c'est aussi de gagner ces brefs battles. C'est pas forcément de dire, ouais, moi j'ai une grosse équipe, Donc je vais farmer que des Unohana 2000, 2100, j'ai une équipe de l'espace, etc., etc. Faut quand même faire des choix intelligents. Et faire travailler la tête surtout, essayer de prendre des cibles, pas forcément prendre que la même personne, vous pouvez prendre que la même personne et reset 50 fois, mais essayer de prendre une moyenne d'attaque où vous savez que vous allez quasiment être sûr de gagner, c'est-à-dire là je vais prendre une Unohana 1304. C'est pas dit que je gagne, c'est pas dit que je gagne parce que la Unohana c'est vraiment des fois par chance vous tombez son Unohana, pardon. Surtout que là en plus il y a, au niveau de l'affinité c'est assez délicat ce qu'il y a en face. Mais si le Toshiro il gèle mon Yamamoto ou un truc comme ça, voilà. Comme maintenant, la bref battle risque vite de tourner au cauchemar. Mais ma Unohana est bien meilleure que sa Unohana, donc si j'arrive à la tuer normalement il ne devrait pas y avoir de problème, vous voyez. Et j'ai gagné la bref battle. Donc vous voyez qu'en fait c'est très important, les trois sont sur une bonne balance en fait. Les amis, donc les trois sont aussi importants les uns que les autres. Voilà, donc en fait, même s'il y en a un qui se fait shooter, les deux autres seront là pour le couvrir. Clairement. Et c'est très important, les gars, parmi les trois, de vite maxer la Unohana, parce que pour moi, c'est le meilleur personnage en bref battle, surtout dans votre équipe. Donc c'est très important de bien la maxer. Et. Parce que c'est elle qui vous fera retourner des games. Et c'est très important de jouer en spécial. Vous avez vu que même contre des Toshiro et tout ça, le Yamamoto, il s'en fout. Il tend quand même plutôt bien. Donc là, on va écraser le Blue Pachi. Et même si le Kogatete en haut va mettre un petit peu en PLS mon Blue Pachi. Voilà. Là, par exemple, je suis un peu dans le mal parce que le Koga, il a affaibli ma Unohana. Mais j'ai pris l'aspect, heureusement. Donc mon Yamamoto va se farcir la Unohana. Donc vous voyez quand même que. Faut vraiment compter sur tout le monde et avoir un bon équipement sur les trois. Donc voilà, vous avez vu quand même que
Les trois s'en sortent super bien. Après, la Maunoana s'est fait un peu défoncer par la Unohana en face, parce que j'avais l'impression qu'on avait à peu près le même équipement. Mais sa Unohana, enfin, son Koga a affaibli Maunoana, donc elle faisait zéro dégâts et elle prenait très très cher. Donc vous voyez là que là, je joue en spécial et le Yamamoto en bas, parce qu'en fait, il y a beaucoup plus de Blue Patchy en bas que en haut. Parce que, en fait, où il y a le Kenpachi orange de l'adversaire, c'est le haut de l'aspect. Donc, en fait, si le milieu. C'est moi qui prends l'aspect, heureusement. Donc, mon Yamamoto va pouvoir se farcir les deux. Donc, en fait, si vous connaissez pas l'ordre des spés, c'est le perso en automatique, c'est le personnage au milieu qui balancera sa spé si vous avez la chance d'avoir l'aspect. Et si votre personnage du milieu meurt, c'est le personnage du haut qui balancera leur spé. Donc. Principalement, les mecs vont mettre leur Toshiro en haut. Là, on avait un Toshiro en bas, c'est pas grave. Mais principalement, les autres mettront leur Toshiro en haut. Parce que si leur Unohana meurt, il faudra que ce soit leur Toshiro qui balance leur spé. Alors que si le Toshiro est en troisième, il ne balancera pas sa spé. Et ce sera peut-être un vieux perso qui lance. Mais là, vous allez me dire, mais Shinny, pourquoi tu mets pas ton Yamamoto à la place du Blue Patchy en haut? Bah, c'est que mon Yamamoto se retrouvera contre beaucoup trop de Toshiro. Même s'il a une meilleure spé, Yamamoto. Et mon Blue Patchy, voilà, ma Unohana. En général, crève assez difficilement. Donc, en général, elle est toujours en vie pour balancer sa spé. Et voilà, j'ai déjà gagné beaucoup de brefs battles en tant quand même 2-3 spé d'une Unohana. Donc, voilà, c'est très. Vous pouvez gagner toutes vos brefs battles, même si le mec en face prend la spé. Mais par contre, là, il faudra vraiment avoir une équipe solide et avoir des gros Karanik montés pour pouvoir tout tanker et pour pouvoir faire les choses bien. Donc, on affronte un mec qui s'appelle One Piece. Donc vous avez vu quand même, on gagne pas pour l'instant des brefs battles haut la main, mais on s'en sort plutôt bien. Donc vous avez vu encore une fois un Toshiro en haut, donc ça évite que mon Yamamoto soit s'exploser, et mon Blue Patchy mais l'explose littéralement, et vient aider ma Unohana, et voilà c'est la brève battle gagnée haut la main. Donc voilà, pour moi comme je vous ai dit c'est la meilleure team en brève battle maintenant, donc si vous avez la chance de posséder les trois. Pour moi, c'est la meilleure. Après, voilà, il y aura peut-être un personnage manga qui sortira à la fin du mois qui détrônera tout. Mais voilà, donc là, on va sélectionner un Yamamoto. J'ai pas l'habitude de sélectionner des Yamamoto. D'habitude, je prends que des Unohana. Mais on va voir ce que ça fait. Normalement, ça devrait le faire. Parce que mon Yamamoto va exploser le Blue Patchy juste en face. Vous voyez quand même que là, mon Yamamoto est full life, qu'il a tué un Blue Patchy. Faut savoir que les gars, les Blue Patchy, ils sont full dégâts subis. Hein. Donc vous voyez que le tueur de capitaine, la bonne affinité, le fleuri équilibre dégâts subis, c'est vraiment trop pété. Et je défonce des Blue Patchy, mais easy. Donc, vous avez vu que là, il n'y a pas eu de problème encore. On va se prendre encore une Unohana. Donc vous avez vu, là, vous faites que ça. Vous prenez que des Unohana. En moyenne, à 1350, 1400, vous n'êtes pas obligé de prendre des 1600. Voilà, comme je vous ai dit, il faut jouer intelligemment. Et voilà, vous allez gagner en général toutes vos brefs battles. Après, moi, j'ai un bon équipement. Même si je n'ai pas des Karalings forcément super bien montés, j'ai un bon équipement qui fait bien les choses. Vous avez vu que mon Yamamoto, il est encore à 80% de sa vie. Il s'est farcé un Toshiro. Donc, même si par malheur, il y a un Toshiro en bas, le Yamamoto, vous inquiétez pas, il va se le farcir sans problème. Donc, voilà, j'aimerais vraiment taper vite un Koga TT pour le mettre sur Yamamoto. Donc, on affronte un CC Dio. Petite dédicace à toi. J'espère que je vais te défoncer, gros. Voilà, donc le Kusaka les gars, j'essaye un peu de l'éviter, parce que le Kusaka il est vraiment cancer. Voilà, j'ai affronté des Kusaka qui normalement ne doivent pas gagner contre ma Unohana, mais ils gagnent. Voilà, sa Unohana est assez solide, mais là ma Unohana est largement meilleure. Donc là, on gagne encore haut la main, voilà, sans problème, en plus j'ai pris l'aspect, donc là il n'y a pas vraiment de souci. Voilà, une petite extra battle. Après c'est très difficile quand même de posséder ces trois personnages là honnêtement. On a passé, on va dire, des mois difficiles sur Blitz ces derniers mois au niveau des invocations. Mais voilà, si je peux vous donner un petit conseil, juste au passage, n'invoquez pas sur le portail saisonnier, les gars. Moi j'ai fait 3 singles, mais n'invoquez pas, c'est une grosse trappe. Voilà, c'est un piège. Et voilà, les personnages ne sont pas si extraordinaires que ça. Voilà, il y en a de bien meilleurs. Donc, faut pas invoquer dessus, les gars. Attendez le Benkai Live samedi prochain et on va voir l'annonce des gros persos. Et. Voilà, surtout faites attention à vos orbes. Moi, je vous prépare une grosse vidéo invocation, je pense, pour la fin de mois. Ou un gros live invocation, je verrai. Voilà, vous avez vu là, mon. C'est assez délicat là. Est-ce que c'est moi qui ai pris l'aspect? Non, c'est lui qui a pris l'aspect, donc là, je suis un peu dans la merde.
Tout ça parce que mon Blue Patchy s'est fait geler par la Rukia. Et voilà, donc là j'ai perdu une brève battle, vous avez vu, vraiment par malchance. Voilà, c'est pas que son équipe est meilleure, c'est juste par malchance. Voilà, j'ai pris 2 spé. Et en plus, sa Rukia a gelé mon Blue Patchy tout le long de la game. Donc j'ai pas pu farcir sa Rukia et j'ai pas pu aller aider ma Unohana. Voilà, il était quand même solide son Aizen Papillon. Mais voilà, pour moi c'est une équipe très très solide. Et quand vous perdez, c'est très difficile pour moi de perdre vraiment parce que l'équipe vous a écrasé complet quoi. Niveau puissance de frappe. Moi je perds tout le temps parce que j'ai pas de chance. Vous avez vu comme là maintenant, je perds tout le temps dans ces situations-là. Je ne perds jamais parce que le mec il m'a mis tellement de DPS qu'il a tué toute mon équipe. C'est très très rare. Donc voilà, c'est que par chance. Et ça arrive très rarement. Donc vous inquiétez. Donc on a la même équipe en face. Voilà, même affinité contre la même affinité. Sa Unohana, elle est solide, hein. Unohana est très solide. Pareil pour son Yamamoto. C'est encore lui qui a pris l'aspect. Alors que je joue en spécial quand même. Là, je perds. Là, je perds clairement. Voilà, en plus, il m'a burn. Là, je perds. Voilà, je perds. Voilà, c'est pas pour DPS. Vous avez vu que je tankais encore bien, même après avoir mangé l'aspect. Mais là, c'est vraiment de la malchance. C'est vraiment de la malchance que je perde. Surtout qu'il a pas clairement pas une. Son équipe est peut-être même pas bien équipée que la mienne. Cette putain d'être perdu 2 rêves battle de suite. Alors que je te fais des séries à 50 wins d'affilée. C'est n'importe quoi, comme par hasard en vidéo. Mais c'est pas grave, je pense pas que ce soit ces deux défaites qui vous feront changer d'avis sur les persos. On va se sélectionner une grosse Unohana pour la fin. Parce que voilà, je passe en vice-capitaine facilement. Voilà, je suis 45ème. Donc il n'y a aucun problème. On va essayer de se prendre une grosse Unohana pour le fun. Une 2000 ou un truc comme ça. Je vais la perdre sûrement puisque les 2000 en Unohana c'est forcément des triple Kara Link 10 sur la majorité des personnages. Donc non, toujours pas. J'en ai vu tout à l'heure. J'en ai vu. Et là on va pas en croiser une seule. Non, on n'en croise pas. Et nous on a 1853, mais j'aimerais bien un score x2 quand même. Voilà, 1734, voilà, on est à 1732. Voilà. Là, vous tapez dans du lourd quand vous commencez à toucher ça. Surtout qu'en plus, voilà, Ishida sur mon Yamamoto, il va me faire chier clairement Ishida. Tueur de Shinigami et tout. Regardez, tu vois, il va vraiment. Il va vraiment faire chier. Mais voilà, je gagne. Et mais j'ai. Saunohana m'avait pas l'air d'être en fleuri. J'ai pris très très cher en strong. J'ai pas très très bien compris. Donc voilà. On est 39ème. Donc voilà les amis pour cette petite équipe en bref battle sur Unohana, Blue Patchy et Yamamoto. Qui est pour moi comme je vous l'ai dit la meilleure équipe bref battle actuelle. Donc voilà, en tout cas si cette petite vidéo vous a plu les amis, n'hésitez pas à mettre un bon gros pouce bleu les potos. Si vous voulez plus de vidéos PVP, faites le moi savoir. À vous abonner si c'est pas déjà fait. À me dire en commentaire ce que vous pensez de la vidéo, ce que vous pensez de la team et si vous jouez la même team. Moi je vous dis cette semaine il y aura peut-être des vidéos review avant le Bankai Live. Prenez soin de vous les amis et moi je vous dis Juba ici mer. Ciao.